Hey, coucou tout le monde, c'est toujours le Gratteur Fou. Bah, aujourd'hui, j'ai testé un petit jeu avec un design un petit peu différent comparé aux autres jeux de machine à sous qui s'appelle Uncharted 6. Alors, c'est un petit jeu qui contient donc de différents bonus qu'on va éventuellement essayer de se pécho. Alors, je pars donc avec une balance de 799,60 € et je vais jouer à 10 € la mise. Allez, c'est parti. On va voir si on peut éventuellement gagner quelque chose avec ce petit jeu. Alors, voyons voir. Ok, premier gain 8 €. Pas énorme. Alors, on va faire quelques arrêts de rouleau. Hop, un petit deuxième. Allez, un petit troisième. Bon, ça n'a pas servi à grand-chose. Ok, serait-ce les symboles de bonus? Bon, apparemment. Vu que ça fait un petit bruit quand ces symboles s'arrêtent sur un rouleau. Alors, ok, 10 € la partie. Balance 687,60. Petite perte pour le moment. Ah. Petite surprise ou petit leurre. Eh ben non, petit leurre. Alors peut-être avec un petit peu de chance, on va pouvoir se pécho un bon truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. D'accord, ok. On pouvait espérer un petit peu mieux quand même. Avec ce symbole, je pense que c'est un joker. Alors, on va voir. Ok, 8 balles, pas énorme. Alors, petit bonus. Va-t-il se manifester, oui ou non? Alors, voyons voir. 30 balles, ok, un petit peu mieux. C'est pas la fortune, mais c'est déjà pas mal. Alors, pour la suite, voyons voir. Ok, rien ici. Ces petits symboles de bonus, comme sur la plupart des jeux avec bonus, il y en a souvent deux qui sont qui se présentent, mais le troisième très rarement. Ah, peut-être ici, on sait jamais, sauf si c'est un petit leurre. Alors, voyons voir. Eh ben non. Encore un petit leurre, de quoi faire espérer aux joueurs de gagner ce bonus game. Ok, 30 balles, balance 660. Bon, pour le moment, ça fait quand même une belle petite perte. Allez hop, petit arrêt de rouleau. Un petit deuxième. Pour 25 balles de gain, pas mal. Allez, jamais 203. Hop, 20 balles, d'accord. Alors, pour la suite. Alors, petit bonus, non, c'est sûrement à l'heure, j'ai du mal à y croire. Ah bah oui. Faut dire que c'est cher bonus. Souvent, faut jouer quand même pas mal de parties avant qu'il puisse éventuellement se manifester. Ok. Alors, balance 553. Alors, un petit leurre. Là, il y a quand même trois rouleaux sur lesquels le troisième symbole peut apparaître. Et bien, non, deux rouleaux dans le vent. Et le troisième, comme on dit, jamais 203. Donc, ce sera pas de bonus pour cette partie. Ok, avec tout ça, balance 542. On se tape une belle petite perte pour le moment. Alors toujours pas de gain, pas de big win, pas de gain intéressant, pas de bonus.
Mais bon, on va quand même encore jouer quelques parties, histoire de faire tourner le cycle de ce cher jeu. Petit joker. D'accord, 30 balles. Bon, c'est pas évident que ce petit jeu paye un petit peu plus. Alors, je serais tenté d'augmenter mes mises éventuellement à 20 balles. Mais je vais rester à 10 euros. Car dès qu'on change la dénomination de la pièce, ça fait repartir le cycle du jeu à zéro. Et là, vu que je compte éventuellement me pécho les bonus, ils veulent bien se manifester. Il faut quand même jouer plusieurs parties pour faire tourner le cycle du jeu. Alors, peut-être ici. Et non, toujours un petit leurre. Alors, petit leurre ou pas. Comme d'hab. Ouais, ce petit jeu, apparemment, il montre pas mal de leurres. Hein. Alors à part 30 balles de gain, c'est pas évident de se taper des big wins. Bon, éventuellement, s'il y a les symboles du bonus qui apparaissent sur les premiers rouleaux, je pourrais essayer un arrêt manuel des rouleaux. Pour voir si ça peut éventuellement servir à quelque chose. Alors, un seul symbole. J'aurais quand même pu arrêter les rouleaux. Alors, pour la suite. Allez, petit arrêt. Eh ben non. 8 euros de gain. Alors, balance 441. On se fait bien, bien torcher pour le moment. C'est que des petits gains qui sont au rendez-vous. Bon, je vais quand même pas m'enflammer sur cette partie, je vais rester à 10 euros de mise. Ok, 380. Bon, là, il serait peut-être temps de gagner un petit gain intéressant quand même, histoire de faire remonter tout ça. Ok, 10 balles, le prix d'une partie. On va pas aller loin avec ça. Toujours rien. Bah, je pense pas que je sois tombé quand ce petit jeu a une bonne fréquence de paiement. Alors voyons voir pour ici. Ok, 8 euros. Pas énorme. Allez, arrêt de rouleau. Hop, hop. Bah, il veut pas. Ah, ben ça y est, enfin, ouf, moi qui commence à désespérer, là j'y croyais même plus, franchement. Alors, bonus game. Bon, ben, j'espère que tout ça va quand même me faire remonter, car je me suis bien fait torcher en début de partie. Alors, voyons voir. Ok, 10 free spins, d'accord. Allez, c'est parti. S'il me donne des free spins avec zéro gain, on peut pas dire que ça va être évident de faire remonter la balance. Voilà, ça fait plusieurs parties sans gain gagnant. Ok, 12 balles, 4 free spins restants. Alors, un petit joker. Apparemment, il n'y a pas de multiplicateur non plus pour tous les gains gagnés dans les bonus games. Alors ici. Ah bah c'est peut-être pas trop mal. Ah bah quand même, ok, 114. Il faudrait que j'en fasse quelques autres comme ça. Si je veux éventuellement remonter ma balance. Alors voyons voir. Ok, 31, pas énorme. Alors pour le moment, 157 de gain. Ici, 15 balles. Allez, free spin restant 1. Ok, last spin. 172 balles, franchement. On peut pas dire que c'était top. Hein.
Alors, réfléchissons, soit je m'arrête à 529, soit je continue un peu en prenant un peu de risque, hop, en faisant des parties à 20 balles. Allez, on va prendre un petit peu de risque. Alors, petit joker, dans le cas contraire, ben, on va vite perdre si ce petit jeu ne continue à rien donner. Ok, 78, pas mal. On va voir si on peut éventuellement essayer de faire remonter tout ça. Allez, petit arrêt de rouleau, hop. Petit deuxième. Allez, jamais 203. Bon, bah, ça n'a rien donné de vraiment intéressant. Alors là, c'est un petit peu prendre des risques quand même d'augmenter ses mises. Là, quand on joue comme ça, faut éventuellement espérer que des belles combinaisons gagnantes puissent sortir. Mais ça, c'est une autre histoire. Ok, si éventuellement je pouvais me repêcher un bonus free spin à 20 balles la partie. Mais bon, quand même, pas trop rêver. Alors, petit joker, 80 balles de gain. Alors 80 balles, ça représente 4 parties à 20 balles. Ok, 90, pas mal. On balance 473. On est quand même un peu loin de la balance de départ. C'est pas évident de pouvoir faire une remontée avec ce cher petit jeu. Alors, petit bonus à 20 balles. Ça serait sympa. Eh ben non, un petit leurre. Bon, alors avec tout ça, il serait peut-être temps que je commence à me fixer une limite de perte. Ou alors je continue, éventuellement je crame tout s'il n'y a rien de gagnant. Ah ouais, la chance semble pas être vraiment au rendez-vous. Que ce petit jeu fasse une petite fleur en fin de partie avec soit un super big win soit des parties de bonus, et là c'est un petit peu mal barré. Ok, 60. Alors en faisant le dingue, augmentant les parties à 50 balles, ça ferait pas beaucoup de coups restants pour 330 balles, mais bon, on va essayer de faire une petite remontée. Allez, soyons fous. Ok, 40. Donc ça c'est une partie 50 moins 40, 10 balles de perdu. Ok, ici rien. Bon bah je sais pas si on va pouvoir faire une petite remontée, mais bon, faut quand même bien prendre des risques de temps en temps. Alors là éventuellement c'est des chères combinaisons gagnantes. Ça pourrait éventuellement bien faire remonter la balance. Alors si je me pêche au les free spin à 50 balles la partie, on peut considérer que c'est un big win. Mais bon, là il me reste 73 balles. Alors partie de l'espoir ou du désespoir. Ok, rien du tout. Hop. D'accord. Bon ben là franchement, c'est la partie de l'espoir. Bon ben voilà, rapidement torché, 3,60 € de balance, ça fait quand même une belle somme, une belle perte. Alors heureusement que c'était quand même des gains gagnés dans les précédentes parties, mais là ça fait quand même une belle perte. Je pensais espérer un petit peu mieux avec ce petit jeu. Voilà. Bon ben sur ce les amis, comme quoi on peut pas être tout le temps chanceux avec ce genre de petit jeu, même en prenant des risques, en augmentant les mises, voilà. Bon, que ça me serve de leçon. Bon, sur ce, j'espère quand même être un peu plus chanceux sur les prochaines parties. Et je vous donne donc rendez-vous pour à très bientôt pour des prochaines sessions de petits jeux avec le Gratteur Fou. Allez, salut tout le monde, bonne journée!